Donc les glandes, notre cours, c'est des glandes annexées au tractus génital mâle, ou bien aux voies génitales mâles, ou bien aux glandes génitales mâles. Donc, comme généralité, les vésicules séminales, la prostate et les glandes bulbo-urétrales, ce qu'on appelle les glandes de Cooper, constituent les glandes génitales, pardon, normalement masculines, accessoires, qui participent dans la production ou bien dans l'élaboration du liquide spermatique. Donc on a trois glandes, la prostate, chef de file, deuxièmement c'est les vésicules séminales, deux, et enfin les glandes de Cooper ou bien les glandes bulbo-urétérales. Donc on va faire chaque glande en détail, sa structure, son rôle. Donc les trois glandes, on va donner leur structure générale, structure histologique et leur fonction ou bien leur produit d'élaboration. Donc commençons par la prostate. Donc la prostate, par définition, c'est une glande exocrine, la première des choses, qui pèse à peu près 20 grammes, oui. Elle apparaît comme un organe musculo-glandulaire. Parfois, vous trouvez comme définition fibro-musculo-glandulaire. Donc, on a les fibres, on a du muscle et on a les cellules glandulaires. Voilà, c'est une glande impaire, andina wahda, c'est pas comme les vésicules séminales, on a deux. Elle est médiane, cette glande, adhérente à la face intérieure de la visée, ou bien on va dire qu'elle entoure le col vésical. Voilà. En même temps, la portion initiale de l'urètre prostatique. Donc, elle entoure le col vésical et la partie initiale de l'urètre prostatique. On distingue, du point de vue anatomique, deux portions. On a une portion crâniale et une portion caudale. Et ces portions, ou bien ces parties, ou bien les différentes parties crâniales et caudales, chaque partie est constituée de trois lobes. Donc au total, on a six lobes. On va voir le schéma. Pour les gens, les retardataires, je répète, donc la prostate est une glande impaire, médiane, qui entoure le col vésical et la partie initiale de l'urètre prostatique. Elle pèse à peu près 20 grammes. Sa structure, elle est considérée comme un organe fibro-musculo-glandulaire. Et après, on va expliquer ce que ça veut dire fibro-musculaire et glandulaire. C'est sa structure histologique. Et enfin, on distingue deux portions, la portion caudale et la portion crâniale. Donc, crâniale, c'est supérieur, caudale, c'est inférieur. Et chaque portion est constituée de trois lobes. C'est bon, je répète? Voilà. Donc, on a une coupe frontale et une coupe sagittale. Vous voyez le col vésical, vous voyez le parenchyme glandulaire, et cette glande a deux parties associées qui sont le sphincter lisse et le sphincter strié. Ce que vous voyez en haut, c'est le sphincter lisse, et en bas, c'est le sphincter strié. On va détailler le sphincter, sphincter par sphincter. Voilà, donc la structure terrestre, vous voyez les vésicules séminales, vous voyez le canal éjaculateur. De l'autre côté, c'est l'ampoule différentielle. Et de la semaine prochaine, on va les voir en détail avec les voies spermatiques. Canal éjaculateur, le différent, l'ampoule différentielle, on va les voir en détail. On va regarder le sphincter lisse, sa situation, le sphincter strié, sa situation et son rôle. Voilà. Donc, la structure générale. Si on va faire une coupe, pratique. On va faire une coupe au niveau de la prostate. Qu'est-ce qu'on va voir? De l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va voir?
Très bien. Donc, on a la première des choses, une coupe transversale de la prostate examinée au microscope optique offre à décrire une capsule fibro-élastique. Voilà. Cette capsule, elle est riche en cellules musculaires lisses. C'est pour ça qu'on a dit fibro-musculo-glandulaire. Et la capsule, elle entoure la totalité de la glande. Je répète, donc la glande ou bien la prostate est entourée d'une capsule. Cette capsule est riche en fibres élastiques et en cellules musculaires lisses. Qu'est-ce qu'elle va donner cette capsule? Détravé. Donc toujours, on dit que à la face interne de la capsule se détache ou la naisse des travées. Les travées, c'est donc qui vont découper la glande en lobe et en lobule. D'accord? Donc, on a vu la capsule, on a vu les travées. Qu'est-ce qu'il reste? Le stroma conjonctif. Donc, si on va donner un titre, l'endroit, on va dire les formations conjonctives. Les formations conjonctives sont représentées par la capsule, par les travées conjonctives et le stroma. Les travées, à un certain moment, vont se dilater, ou là, elles vont augmenter, devient importante pour donner ce qu'on appelle le stroma conjonctif. En détail. Et enfin, on a, au milieu du stroma, on a le parenchyme glandulaire, ou bien la glande proprement dite. Donc, on a la capsule. Je répète, la capsule, deuxièmement, les travées conjonctives, troisièmement, on a le stroma conjonctif, et quatrièmement, on a les glandes. Donc, chaque élément est important, parce qu'on va les détailler point par point. Le parenchyme glandulaire, à peu près, on a une cinquantaine de glandes. Au niveau de la prostate, on a à peu près une cinquantaine de glandes qui sont tubulaires. Alvéolaire ramifié. Vous soulignez tubulo, alvéolaire ramifié. Voilà. Dans les canaux, où est-ce que ça bouche? Puisqu'on a, c'est une glande exocrine. Les canaux, ça bouche? Au niveau? Au niveau? L'urtère. L'urtère à l'alphore. Au niveau de l'urètre prostatique. Donc, chaque glande exocrine a des canaux. Les canaux, par exemple, digestifs, plutôt dans la lumière. Ils vont s'aboucher dans l'urètre prostatique. On va déchauffer d'autres glandes qui ne s'abouchent pas dans l'urètre prostatique. Oui, ces glandes, est-ce que les glandes n'ont pas le même endroit? Par exemple, un stroma conjonctif, ou les glandes, est-ce qu'elles sont au même endroit? Donc, au niveau de la prostate, les glandes HEDO sont localisées à des niveaux différents. C'est des étages ou bien des colliers. Voilà, donc les glandes forment trois colliers séparés. On a l'étage l'oul, deuxième étage et troisième étage. Les colliers sont placés de façon concentrique autour de l'urètre. Naudo. Donc, le parenchyme glandulaire en a une cinquantaine de glandes. Les glandes sont de type. C'est très important. Donc, les glandes HEDO sont de type tubulo-alvéolaire ramifié, puisqu'on a des glandes exocrines, donc possèdent des canaux. Les canaux HEDO vont s'ouvrir ou bien vont déboucher dans l'urètre. Prostatique. Vous soulignez le mot prostatique. C'est bon? La localisation des glandes, on va les voir. Voilà, on va les voir sur le schéma. En bleu, c'est des glandes. En vert, c'est des glandes. Et en orange, c'est des glandes. Donc, combien de niveaux maintenant? Trois niveaux. On commence par les glandes en orange. Où est-ce minéral? Les glandes pyrées, et l'entour, on a, ils se regroupent concentriquement
autour de l'urètre. On est d'accord. Donc, c'est des glandes périurétrales. Ce que vous voyez ici, c'est l'urètre. Avec en orange clair, c'est l'urètre. Donc, les glandes qui entourent l'urètre. On se nomme des glandes périurétrales. Puisqu'on a, on a trois niveaux, ou bien trois colliers, ou bien trois étages. Donc, l'étage est orange, orange foncé. C'est minéral interne ou la muqueuse. Donc, je répète, les glandes les plus internes ou bien les plus proches pour l'urètre, on les appelle les glandes périurétrales internes ou les glandes périurétrales muqueuses. C'est bon? C'est dans l'étage le plus proche, près de l'urètre. Deuxièmement, en vert, l'étage. Non, mais c'est pas périphérique. L'étage moyen. Donc, il y a des minéraux, les glandes, toujours périurétrales, mais externes, par rapport aux internes. Et enfin, on a en bleu aussi minéraux, les glandes principales ou bien les glandes périphériques. Donc, je répète, on a trois colliers ou bien trois niveaux ou bien trois étages autour de l'urètre prostatique. Le premier, on les appelle les glandes périurétrales internes ou bien muqueuses. Deuxième, comme c'est les glandes périurétrales externes ou bien sous-muqueuses. Et enfin, les glandes périphériques ou les glandes principales. À la semaine, les glandes principales, vous voyez l'importance de ça. Donc, les glandes principales ou périphériques sont les plus importantes du point de vue quantité. Elles les plus importantes. Donc, on a des glandes. Donc, on a des canaux. Pour les glandes périurétrales internes, où est-ce qu'ils s'abouchent? Est-ce qu'on a des canaux? Vous voyez qu'il y a tout autour de l'urètre. Donc, on va dire que les glandes internes sont courtes, ne possèdent pas de canaux, donc ils diversent les produits terrain directement dans l'urètre. Donc on est d'accord. Deuxièmement, pour les glandes périurétrales, urétrales externes, qu'est-ce qu'on va dire? Andrum, les canaux, mais sont courts, très bien. Donc, le deuxième type possède des canaux qui sont courts, mais en même temps, il diverse le produit terrain ou la soubre dans l'urètre prostatique. Et les glandes principales, qu'est-ce qu'on va dire? Les canaux terrain sont lents. Donc, c'est la localisation terrain qui diffère. Ou deuxièmement, les canaux. Les premiers, c'est les canaux les plus internes. Deuxième, c'est des canaux qui sont courts. Et bien sûr, un canal plus lent. Donc, voilà, on a dit qu'on a trois niveaux, les glandes périurétrales internes ou bien les glandes de la muqueuse, ce sont des glandes courtes, peu ramifiées, l'esprit sur place, ça bouche directement dans l'urètre. Deuxième type, qui sont externes, ou là la sous-muqueuse, elle s'ouvre dans l'urètre par des canaux qui sont courts. Et enfin, les glandes périphériques, ce sont les glandes principales. Elles constituent la plus grande partie des glandes. Elles s'ouvrent dans l'urètre par des canaux longs. C'est bon? Pas de questions? Donc, c'est l'organisation générale. Mais c'est l'organisation histologique ou bien l'étude histologique. Voilà la structure histologique. La prostate présente à décrire trois éléments qui sont, on toujours n'a pas la coupe à dire, le plus important c'est les glandes, zido. Deuxièmement, les sphincters prostatiques et enfin l'urètre prostatique. L'urètre prostatique, pourquoi? Des touffes urinaires, donc l'épithélium en amont, icône de type urinaire, en bas cylindrique ou pseudo-stratifié.
عنده le corion, عنده muqueuse peu importante, علاش قلنا la musculeuse elle est peu importante, parce que tu trouves le stroma تاع la prostate. On ne peut pas faire la différence. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Par quoi vous voulez qu'on commence? Par les glandes, bien sûr. Parce que le but de l'étude terna, c'est les glandes. Voilà. Donc, les glandes prostatiques, à la coupe, elles apparaissent comme des alvéoles. Je vous le schéma. Voilà. Alors, c'est les glandes. Avec la formation, je suis mouvement des alvéoles. Donc, à la coupe. Je ne sais pas si nos prostates, tu vois, en vue générale, c'est trop lourd, c'est des alvéoles. Donc, il faut faire une coupe. On va voir que les glandes prostatiques apparaissent comme des alvéoles. Zido. La lumière. Comment elle est? Elle est large et irrégulière. Très important. Donc, avec une lumière large et irrégulière, هاد لي زالفيول كيسك فو فوايي على بيريفيري هادي هادو كاينين هنايا دونك اون فا دير لي زالفيول باني دون لو ستروما كونجونكتيف سك فو فوايي هنا كامل سي لو ستروما كونجونكتيف لو ستروما كونجونكتيف هذا اي ريش اون سك فو فوايي هنا هادو سي كوا musculaire lisse, on a les fibres de collagène et les fibres élastiques. Donc je répète, les glandes apparaissent en coupe, se forment d'alvéoles. Les alvéoles ont une lumière large et irrégulière, c'est pas régulière, on va déchirer les voies spermatiques, elles ont la lumière régulière. Les alvéoles baignent dans un stroma conjonctif qui est riche en fibres musculaires lisses, zido, des fibres de collagène, fibres élastiques, en même temps riche en vaisseaux sanguins. C'est bon? On va voir l'épithélium de ces glandes. Donc, à la coupe, elles apparaissent comme des alvéoles plus ou moins arrondies. Je fais la forme de la donc parfois tu auras plus ou moins arrondi, parfois ovale, mais tu as la forme de la ça dépend de l'état fonctionnel de la glande. Deuxièmement, la taille de la je fais elle est variable. On a les soirs, on a les kbar, les glandes, voilà. La taille est variable. Ce qui m'intéresse, c'est que la lumière, elle est large et irrégulière. Vous soulignez la lumière large et irrégulière. La paroi glandulaire, elle est faite de quoi? Donc, la paroi, elle est faite de quoi? Un épithélium et un corion. On est d'accord. Donc, un épithélium qui est cubique ou la prismatique simple, plissé, parce que on a au niveau du corion ou là au niveau du stroma, des fibres élastiques. Ou une quelle des fibres élastiques, la lumière du festonné ou l'épithélium il dit plissé ou là la même chose avec la lumière. Donc l'épithélium il est cubique ou prismatique. Allez, je connais cubique ou la prismatique. Selon l'état fonctionnel, il a l'alvéole hadara au repos ou il a l'alvéole hadara en pleine activité. Normalement, les hommes ils le aiment, ils ont une la prostate. Parce que vous allez dire l'urologie en général, mais chez les bénètes, ils diront. On a des nombres de prostates. On a besoin de nombres de prostates après 50 ans. Donc, on est interne, il dit que le malade, tu fais la chirurgie générale. Donc, ma t'attrape. Voilà, donc l'épithélium est cubique ou prismatique. Et entre parenthèses, avec le toucher rectal, est-ce qu'il s'agit d'un adénome de prostate ou d'un cancer de la prostate? Rien le toucher. Donc, ça me recourt bien. Voilà, donc l'épithélium est plissé, cubique ou prismatique, renferme des cellules. Moi, je mets les cellules glandulaires et quelques cellules basales. C'est bon? On va mettre un chapeau sur le schéma. Voilà. C'est des alvéoles. La lumière, on va mettre un chapeau, la structure au milieu.
Voilà, on a l'épithélium, on a le stomac. Vous voyez que l'épithélium, comment il est? Donc, cubique, on a prismatique. On a cubique, mais il est prismatique. Bien sûr, qui repose sur une membrane basale. Qu'est-ce que vous voyez? Le pôle apical, t'as les cellules? Les grains de sécrétion, voilà. On a les cellules basales, la membrane basale, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a le mot racinus ou la alvéole, c'est la même chose. Presque la même chose. La membrane basale, pas de problème? Voilà, nous allons revenir au cours de la. Et le chorion. Le chorion, il n'y a pas un chorion comme d'habitude, il n'est pas bien individualisé parce qu'il trouvera le stroma conjonctif. Donc, le chorion sous-jacent, il occupe les espaces. Oui, mais pas le chorion. Entre les alvéoles, presque la même chose avec le stroma conjonctif. Et il est constitué par, je prends la moubella, fibre de collagène, zédofibre. Élastique et cellules musculaires lisses. Il regroupe tout ce qui est conjonctif. Bien sûr, avec, qu'est-ce qu'on a oublié? Les vaisseaux sanguins. C'est bon? Naudo, l'épithélium lissé, cubique ou prismatique, ça dépend de l'état fonctionnel. On a deux types de cellules, les cellules glandulaires et les cellules basales. On a la membrane basale. En même temps, le chorion qui se confond avec le stroma conjonctif, donc la même structure, tu as le stroma conjonctif que le chorion. Il est riche, donc la première des choses, entre les alvéoles, interalvéolaires. Deuxièmement, fibres de collagène, cellules musculaires lisses, élastiques et vaisseaux sanguins. C'est bon? Wesh prana? La lumière, voilà. Maudon chocolat, la lumière, Tana. Qu'est-ce que vous voyez au niveau de la lumière? On a une formation. Donc, chez le sujet âgé, bon, mais chez âgé, donc on a ce mot jeune après 50 ans, ou là après 40 ans, ce n'est pas un sujet âgé. L'apparition au niveau de la lumière, ce qu'on appelle les symplexions, ou là ce mot, les corps amyloïdes, ou laisse-moi le sable prostatique. On a bien comme Hajat Bira, mais on a la formation théocom qui marmelle du sable. Donc, chez le sujet plus ou moins âgé, parce que auparavant, le sujet âgé à partir de 50 ans. Donc, on le considère comme un sujet jeune. L'apparition au niveau de la lumière des alvéoles, ou là, la lumière des acinés, ou là, la lumière des glandes. Déformation, les formations se forment de. Est-ce que je tourne un bloc? Des lamelles. Donc, les formations, ce sont des formations lamellaires stratifiées, plusieurs couches. Qui résultent de quoi? Il faut que le liquide dans la prostate fait du calcium. On a les cellules épithéliales. Oui, il faut dans la lumière, la desquamation. Donc, on va dire que les symplexions ou les corps amyloïdes, ou bien on les appelle le sable prostatique, résultent de la précipitation. Donc, on a le calcium, on a les glycoprotéines qui sont élaborées par les cellules épithéliales, ou on a les cellules desquamées. Les cellules lémotées dans la lumière, elles vont se regrouper pour donner des formations lamellaires. Donc, je répète, les formations, les symplexions, par définition, ce sont des lamelles ou bien des formations lamellaires stratifiées, mais je suis bloc ouéhed, stratifiées, qui résultent de la précipitation du calcium sur les glycoprotéines et avec les cellules desquamées. On a les trois éléments à la longue, ils m'ont donné des formations lamellaires, bien sûr, qui vont apparaître chez le sujet plus ou moins âgé.
Voilà. Donc, la lumière des alvéoles glandulaires peut renfermer des formations lamellaires stratifiées. N'aoud, chaque mot, ando, le but terme. De nature glycoprotéique, bien sûr, de nature glycoprotéique, ce sont les sympections, ou là les corps amyloïdes, ou là le sable prostatique. Parce que si on les touche, nous avons comme le sable. Oui, monsieur. Oula, de les enfiquer, qui mal marché, les gîtres. Voilà donc le résultat de la précipitation du calcium sur les glycoprotéines et les cellules des squamées. Donc déjà, comme deux éléments, le liquide prostatique est riche en calcium et en glycoprotéines. Déjà, deux éléments. Voilà. C'est bon, le schéma là. Qu'est-ce qu'il reste? Je prends l'urètre prostatique. Je prends les glandes prostatiques. Qu'est-ce qu'il reste? Les sphincters. Donc, on a la prostate, un sphincter en haut et sphincter en bas. Le sphincter avec le sphincter lisse ou le sphincter interne. Le sphincter qui est en bas, on l'appelle le sphincter strié ou bien le sphincter externe. C'est dénomination. Si on va faire une comparaison, le premier, il est fait de quoi? De cellules musculaires lisses. C'est pour ça qu'on l'appelle sphincter lisse. Sa localisation, voilà, on va voir la localisation de terrain. On a déjà le premier schéma. Voilà. Sa localisation et l'entoure le col vésical ou bien l'origine de l'urètre prostatique. Donc vous voyez, se forme d'entonnoir ou une formation annulaire, qui malano. Donc c'est une formation annulaire qui entoure le col vésical et l'origine de l'urètre prostatique. Deuxièmement, le sphincter strié, c'est des cellules musculaires striées qui entourent quoi? Les faces latérales et antérieures de la prostate. Donc vous voyez, maintenant c'est le côté antérieur, maintenant c'est les faces latérales. Donc du point de vue localisation, le sphincter lisse, il entoure l'origine de l'urètre prostatique ou là, le col vésical. La forme annulaire qui m'a à l'anneau. Le deuxième, c'est le sphincter strié et l'entoure ou là, sa localisation ou le siège sur les faces latérales et antérieures. Allez, j'en ai deux sphincters. C'est sûr qu'il y a un but. Le contrôle de la miction. Donc, on va voir comment il va contrôler la miction. Voilà. Donc, le sphincter lisse, c'est une formation musculaire lisse, annulaire, entourant l'origine de l'urètre ou là, le col vésical. Il empêche l'écoulement spontané dans les urines. Normalement, la visite t'amar les urines. Qu'est-ce qui va se passer? Qui t'amar la visite? Ça en a une fuite dans les urines. Il y a du khorjo qui m'a t'amar un ballon ou fait un trou, c'est sûr, il khorjo les urines. Donc, il empêche l'écoulement spontané de l'urine. La première des choses. Donc, l'écoulement spontané. Sinon, le wahed m'a dit que les urines t'aou. Tout le temps, on a l'écoulement. Had le sphincter. Monsieur au fond, il a une discussion, tu peux le sortir. Ou hada qu'il comme zido diru l'homme rattrapage, ou zido aounoum, bach yjou hna pour discuter. Donc, il empêche l'écoulement spontané de l'urine, et en même temps, on a l'urine mekhlech yahbat, zido autre chose, le sperme. Donc, il empêche le passage du sperme dans la vessie. Ou hadan al-qawa'an li diabétique, ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde.
normalement l'éjaculation sort vers l'extérieur, ça vers l'intérieur, elle remonte. Parce que les diabétiques, toujours on a des problèmes de motricité, les neuropathies et tout. Donc, d'ailleurs, on cherche. Les diabétiques, en général, ont une stérilité. Lorsqu'on va voir, est-ce qu'il y a un problème des spermatozoïdes ou la structure et tout. Toujours, on cherche à l'éjaculation rétrograde. Donc, il y a le sperme dans l'AVC. Et toujours, qui déroule l'examen de les urines, riche en spermatozoïdes. Deuxièmement, le sphincter strié, il est dit en bas, Hada, il est responsable de l'acte volontaire de la miction. À chaque fois, il urine. Donc, la miction volontaire. La première, elle est spontanée, involontaire, comme on a le sphincter. La deuxième, c'est la miction volontaire. Et malgré ça, on a les deux sphincters hado, mais avec l'âge, il sera un relâchement, qui met les muscles kémels, où le sujet âgé ne retient pas ses urines. C'est bon? Femme-t-on le prostate, je ma femme. Normalement, c'est simplifié. D'accord? Donc, je suis prête, je suis la structure et tout. Dès que vous avez une télévision, vous pouvez charger. Vous avez la lumière où je suis. Vous soulignez avec le rouge, avec le vert. Vous allez voir l'épithélium. Mais l'épithélium, le stroma. C'est très facile. Vous prenez les mots-clés. Ou les mots-clés, toujours, vous soulignez. Voilà. Liste physiologique. Elle est comme la prostate, elle dépend des androgènes. La prostate a un gosse, maintenant, bien développé, mais à la puberté, oui. Donc, chaque cours, on a une liste physiologique pour voir les éléments de l'écran, le rôle qu'il y a. Ça va? C'est bon? Donc, merci monsieur. Donc, l'histophysiologie, elle est belle comme que la prostate dépend des androgènes. Je vais essayer de parler à haute voix. Donc, dépend des androgènes. La prostate fait partie des organes masculins de la reproduction. En son absence, la reproduction du sperme ou les spermatozoïdes est perturbée. Donc, on va dire que la prostate, je vais résumer à Daouchakito, et hormonodépendant. On a les hormones, les androgènes, la prostate se développe, surtout après la puberté, mais on a les androgènes, ça sera un atrophie de la prostate. Donc, les sécrétions prostatiques, deuxième élément, entrent dans le plasma séminal, où là, lorsqu'on examine le sperme, on va voir que les sécrétions prostatiques représentent à peu près 25% 27% du volume du sperme. C'est pas très important, mais c'est bon. Voilà. Les cellules glandulaires sont androgéno-dépendants. Donc, on a un type qui a un déficit en testostérone, on va voir que l'épithélium adapté à les glandes est aplati. Donc, même pas cubique, même pas prismatique. C'est pour ça qu'on dit que les cellules glandulaires, on a la prostate, et androgéno ou la testo-dépendante. Le liquide prostatique, c'est très important. Première des choses, représente 25% du volume. Vous allez me dire les 75% la suite. Il est épais, blanchâtre, je répète, épais, très blanchâtre, qui contient l'acide citrique, les ions, on a zinc, magnésium et calcium, les dernières, on a les enzymes protéolytiques, on a les glycoprotéines et les phosphatases acides. C'est pour ça qu'on va dire que le pH, t'as le liquide spermatique, est un petit peu acide parce qu'on a les phosphatases acides. Je répète, ce n'est pas les phosphatases alcalines, mais les phosphatases acides. Donc, le liquide spermatique, il est blanchâtre, épais,
très épais, qui contient de l'acide citrique, qui contient des phosphatases acides, analysant zinc, magnésium, calcium, des jardinales, analyse glycoprotéines, mais il est pauvre en protéines. Bas de chauffe-eau, quel liquide qui est riche en protéines. On a juste les glycoprotéines. Deuxièmement, le pH TAO est acide. On va le comparer bas de mal et des effets similaires. Le liquide prostatique protège d'un côté les spermatozoïdes des germes, donc un document antibiotique. Et deuxièmement, le sperme qui est lourd. Donc, il participe à la coagulation et khalli le sperme yjmed. Dans le service, on fait les spermogrammes et les spermocytogrammes. On ne prend pas le liquide spermatique ou le sperme, on ne prend pas directement une recoloration et on va l'étudier sous le microscope. Mais quand on met dilution, quand on سخنه, ça sera le liquéfaction. Et on l'a liquide. Sinon, le canib qu'elle a été, on ne peut pas le voir sous le microscope. Donc, le liquide spermatique, le liquide de la prostate, il met dedans la coagulabilité. Et retrouve plus coagulable le sperme. Enfin, donc, double rôle. Erjana le sperme, normalement, comme coagulable. Et deuxièmement, c'est la protection de la spermatozoïde. C'est bon? C'est simple. Comme on a la prostate, donc, on va voir deuxième élément qui sont les vésicules séminales. Allez, je compte comme la prostate et j'ai dit les vésicules séminales parce qu'il y en a deux. Normalement, on déroule les voies spermatiques, on va déroule les glandes. Mais je trouve les vésicules séminales, oui, mais j'en ai. Donc, les vésicules séminales sont des organes paires, ma connaisse médiane, médian qui m'a le frein, donc des deux côtés. Saculaire se forme de sac, bosselé, quand nous sourons, si on va toucher le vésicule, nous avons des bosses. Donc je répète, les vésicules séminales sont des organes paires, en deux, situés bien sûr en arrière de la vessie, la face postérieure, mais en arrière de la prostate ou bien de la vessie, donc la partie postérieure. Sont saculaires, se forment de sac et bosselés. Si on va faire une coupe au niveau de la vésicule séminale, on va voir qu'elle est constituée par un ou plusieurs tubes pelotonnés. Donc, chaque vésicule séminale est constituée par un ou plusieurs tubes fortement pelotonnés. Les tubes baignent dans une atmosphère de tissus conjonctivo-élastiques. On va voir sur les schémas, je te permets. Voilà. Les vésicules séminales, est-ce que je peux voir la face antérieure? Donc, on a la vessie, il y a déjà en avant, on a la prostate, on vous les voyez des deux côtés. Qui fait la structure de la se forme de sac. Donc on a dit saculaire, voilà, sac, et enfin sont bosselés. Avec quoi est la cause des vésicules séminales? Avec le canal différent, ou c'est pas le canal différent, l'ampoule différentielle, parce que le canal différent, l'extrémité terre va se dilater pour donner ce qu'on appelle l'ampoule différentielle. On va dire à deux chauffeurs avant de communiquer ou là avant, avant de rentrer dans le canal éjaculateur. Donc le canal différent, avec les vésicules séminales, ils se rencontrent avec eux. On parle pas de vésicules séminales, on parle pas de canal différent, on parle de canal éjaculateur. Donc avant de rentrer dans la prostate, on va voir la semaine prochaine avec les voies spermatiques. Donc avec une vue générale. On a la vessie, on a le canal différent. Vous voyez l'ampoule, enflée, et vous voyez
les vésicules séminales, on va les dire avec pas mal éjaculateur, mais je finis parce que crâne dans la prostate. Je fais les schémas, hein? Voilà la forme terre. Les vésicules séminales, facule, bosselet. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Des tubes ou là des tubules, hello. Voilà, c'est des tubules. Ou les tubules, hello. Est-ce que tu le trouves dans le sac isolé? Chocolat. Qu'est-ce qu'on a? Tout autour, avec tube, tube, trois tubes. Qu'est-ce qu'il y a tout autour? Le stroma conjonctif. Donc, on peut le houmon baigne dans une atmosphère de tissu conjonctif qu'on va voir en détail. Donc, maintenant, on voit le stroma. Qu'est-ce que vous voyez les tubes? La structure terre. Les tubes ressemblent à quoi? La trompe au niveau de l'ampoule. Donc, vous allez me donner là, la description. Voilà, donc le tube. La description. La lumière. Hein? La lumière? Bon, mon coup, je dis pas un colo. Irrégulière. Pourquoi la lumière elle est irrégulière? Parce qu'elle est occupée par des replis. Quelle est l'origine de les replis? C'est mon nom des replis muqueux. Parce que c'est la muqueuse qui va donner des replis. Donc, au total, chaque tube est constitué par une muqueuse, très bien, Zido. Hadik en orange, c'est la musculeuse et enfin l'adventice. C'est contrairement à la prostate. La prostate, on a des glandes ou les alvéoles, donc dans le stroma conjonctif. Alors que Naya, on a des alvéoles, on a des tubes. Ou chaque tube, la paroi terre, est-ce que je fais la musculeuse, l'adventice au niveau de la prostate? Donc, elle est la première comparaison. Chaque tube de la vésicule séminale, on l'a détaillé. Donc, c'est une coupe faite au niveau de l'autre côté. Au niveau? Une coupe faite au niveau? Est-ce que les vésicules, au niveau des tubes, on a trois tubes. Par exemple, on va prendre vésicule séminale wahda, soit on a un tube, soit deux tubes, soit trois à quatre. On a trois tubes, donc une coupe faite au niveau d'un tube de la vésicule séminale, on va voir qu'on a chaque tube, on a trois tuniques de l'intérieur vers l'extérieur. On a la paroi, il y a la muqueuse, la musculeuse et enfin l'adventice qui se confond avec le stroma conjonctif qui l'entoure. Voilà, on va prendre un tube et on va l'étudier. Qu'est-ce que vous remarquez? La muqueuse. Attendez, trois caractères à la muqueuse. Des replis muqueux. Donc, dans la lumière, on a des replis muqueux, primaires, secondaires et tertiaires. Vous voyez là. Deuxièmement, un épithélium qui est prismatique, simple, ou la cubique simple. Donc, on va dire un épithélium qui est simple, cubique ou prismatique. Avant, le chevet. Deux types cellulaires qui marquent la prostate. Donc, vous voyez les cellules glandulaires et les cellules basales en même temps qui reposent sur une membrane basale. En bas du djinn, le chorion, c'est du tissu conjonctif. Donc, c'est qui va donner l'axe de repli. Très bien. En orange, qu'est-ce qu'on a? La musculeuse. Est-ce qu'elle est importante, la musculeuse, là? Ce n'est pas des cellules musculaires lisses qui mappent la prostate. On a vraiment une couche. Donc, ce que vous voyez en orange, donc la musculeuse, elle est faite de cellules musculaires lisses, bien sûr séparées par des travées à Dr. Pohon, qui sont réparties en deux couches. On a circulaire interne, longitudinale externe.
Et enfin, on a l'adventice, c'est du tissu conjonctif large, riche en même temps en fibres élastiques. Donc la différence entre la prostate et les vésicules séminales, la prostate a des alvéoles dans le stroma conjonctif, alors que la vésicule séminale a des tubes, chaque tube a de la paroi terre bien organisée, qui a muqueuse, musculeuse et adventice. Et qui va donner le repli, c'est beaucoup plus les fibres élastiques du corion. Voilà. Maintenant, la structure histologique. La paroi tubulaire, la vésicule séminale, c'est la paroi tubulaire. La paroi tubulaire qui constitue la vésicule séminale, parce que chaque vésicule séminale va faire 3 à 4 tubes. La description, la vésicule séminale comprend 3 tubes, la muqueuse, la musculeuse et enfin l'adventice. On va voir la muqueuse. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de la muqueuse? La lumière ou bien la muqueuse? Elle dessine des replis muqueux très complexes, premier degré, deuxième degré, troisième degré ou la troisième ordre, circonscrivant une lumière irrégulière. Les replis vont donner une lumière irrégulière. Au niveau de la prostate, c'est l'épithélium léger irrégulier, mais là, c'est les replis qui vont donner la lumière irrégulière. Ces replis sont anastomosés, qui maintenant au niveau de l'ampoule tubaire. L'épithélium, il est de type prismatique simple, parfois cubique, ça dépend de l'état fonctionnel. Les cellules principales, c'est les cellules glandulaires, ou fille, les cellules basales. Cellules glandulaires, on a juste la description, où je fais un. RUG, les graines de sécrétion, l'appareil de Golgi, le morphoplasme élaborateur. Chaque cellule qui élabore des protéines ou des glycoprotéines, quand il y a les éléments, les cellules basales de remplacement, comme d'habitude, le chorion qu'on a et les conjonctivaux élastiques ou la riche en fibres élastiques, ils dessinent les replis. C'est bon? On a l'impression que les cours se répètent, les mêmes éléments qui se répètent. Voilà le schéma. Voilà la cellule, la vésicule séminale, le schéma. La cellule glandulaire avec quelques micro-villosités, on a les graines de sécrétion, l'appareil de Golgi, le noyau, le réticulum REG. Les mitochondries, à deux camels, ils trouvent la synthèse dans les protéines et les glycoprotéines. Ce que vous voyez en bas, c'est les cellules basales qui reposent sur la membrane basale. La musculeuse, chaque tube, on est sur la vésicule séminale. La même chose. Donc, chaque tube est entouré par une musculeuse mince et irrégulière, organisée en deux couches, circulaire interne, longitudinale externe. L'adventice, c'est une gaine conjonctivo-élastique, toujours en élastique, riche en capillaires sanguins. Même pour le chorion, il est toujours riche en capillaires sanguins, parce que l'épithélium n'est pas vascularisé. Donc la nutrition de l'épithélium, c'est à partir du chorion. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi là? Le tube ou la tubule, comme vous voulez. C'est des replis qui comblent la lumière. Et vous voyez la musculeuse, mais c'est importante, mais elle est là avec ses deux couches. Donc, pour l'histophysiologie, la vésicule séminale, elle est toujours, qui met la prostate hormono-dépendante. Donc les cellules taha, en absence de la testostérone, l'épithélium chez Saralo s'atrophie. Il y a autre plat. Parce qu'il y a cubique qui est de la cellule en activité mais en repos provisoire, prismatique, elle est en pleine activité. Cette atrophie peut être corrigée par quoi? La testostérone. Maintenant, par voie orale, donc la testostérone.
peut-être corrigée par l'administration de cette hormone. Donc les cellules sont hormonodépendantes. La vésicule séminale produit bien sûr un liquide qui représente à peu près 60%. 55 à 60%. C'est pas important, il y en a juste pour avoir une idée. Le liquide de la vésicule séminale, nous tombons les trois, la prochaine fois, un y aura d'un an, un de l'autre côté. Donc, la vésicule séminale, le liquide de Taha représente, si on va examiner le sperme, à peu près le double du le liquide prostatique. Donc, on va voir les caractéristiques Taha. C'est un liquide clair. Le liquide prostatique, comment il est? Blanchâtre, l'aspect Taha blanc, avec un liquide clair. Deuxièmement, il est visqueux, normal. Il est alcalin, acide, légèrement. Zido, il est riche en lipides, liquide séminal, riche en lipides, en protéines et en sels minéraux. Alors que l'achor, ma connaîche, en plus, on a les sels minéraux qui malchrine, la même chose. Le plus important, qu'au niveau de la vésicule séminale, le liquide Taha il est riche en acide ascorbique, qui est la vitamine C, et en fructose. Le quand ma anèche fructose, ma n'a ni la nutrition de l'espermatozoïde, ni la mobilité de l'espermatozoïde. Donc, toujours, qui dit un patient qui a de l'espermatozoïde immobile ou la nexine, le nombre de l'homme, on demande le test, on fait le dosage de la fructose. Beaucoup plus c'est fructose. Donc je répète, on trouve l'acide ascorbique et le fructose qui est nécessaire à la nutrition et la mobilité. Dès le spermogramme, tel que le nombre de l'homme ou les cellules mortes, donc manque de nutrition, ou le nqawam immobile, on demande toujours le dosage du fructose. Enfin, les sécrétions de la vésicule séminale sont accumulées à quel niveau? Qui sort les cellules? Dans la lumière, bien sûr. Au niveau de la lumière, et la lumière, ce qu'on appelle l'éjaculation. Ou l'éjaculation, elle est aidée par quoi? La contraction de la musculeuse. Donc vous voyez que l'éjaculation tibda m'aide l'étape où la contraction des deux couches de cellules musculaires, circulaires internes, longitudinales, externes, elles donc vont donner l'éjaculation. Donc par contraction de la musculeuse. C'est bon? C'est là la vésicule séminale? Tibqana de petites glandes, zouj, qui mêlent poids, ce qu'on appelle les glandes bulbo-urétrales ou bien les glandes de Cooper. Voilà, donc ce sont deux petites glandes qui mêlent poids, mais c'est comme un autre pour la glande pinéale. Donc ce sont appelées encore les glandes de Cooper, donc ce sont deux petites glandes, la taille de l'homme qui mêlent poids, qui mêlent hummus, soir classe. Elles sont muqueuses tubulo-alvéolaires, vous soulignez tubulo-alvéolaires muqueuses, composées dans le canal, c'est des glandes, donc au chélesmélan, des glandes exocrines, les canaux excréteurs, donc dans les canaux excréteurs, ça bouche à quel niveau? Ça bouche à quel niveau? L'urètre, bien sûr, quel urètre? Membrane. Donc, on a trois glandes. La première glande, c'est la prostate. Les glandes de Taha, ça bouche dans l'urètre prostatique. Les vésicules séminales, dans le canal éjaculateur. Et pour les glandes de Cooper, c'est au niveau de l'urètre membraneux. Vous soulignez l'urètre membraneux. Voilà, on domaine les glandes aspect lobulé. Se forme de lobule parce qu'au niveau du stroma on donne des fibres élastiques, donc il y a pour nous avec la forme de lobulée. Le plus important que les glandes on donne, puisqu'on a tubulo
alvéolaire. On a la portion sécrétrice, l'épithélium, il est cubique ou la prismatique. On a les canaux, l'épithélium cubique ou la prismatique ou la parfois le canal qui est plus grand ou les pseudo stratifiés. Qui m'a vu les glandes salivaires. Tout ce qui est plus l'épithélium dans les canaux il est cubique, qui est plus grand le diamètre ou les prismatiques. Et enfin, pseudo stratifié. C'est pas important. Ce qui nous intéresse, que les glandes vont élaborer du mucus. L'histophysiologie de terrain, c'est la dernière partie. Donc, les glandes de Cooper vont élaborer du mucus. Le mucus, le rôle de terrain, c'est quoi? C'est la lubrification de l'urètre lors de l'éjaculation. En bas, vous allez voir avec Dr. Bendrohan, l'organe de copulation ou le pénis, on a les formations érectiles et l'éjaculation, c'est pas facile. Donc, il faut toujours quelque chose qui va lubrifier l'urètre. Donc, les glandes de Cooper vont élaborer du mucus, soit par des cellules glandulaires ou là, en même temps, au niveau des canaux, on a des cellules muqueuses intra-épithéliales. Donc, on a la formation, la portion sécrétrice, les glandes vont élaborer du mucus, même les canaux, donc des glandes qui sont intra-épithéliales, qui m'achèvent au niveau de l'urètre, qu'on a appelé les glandes de Skene et tout, donc les glandes intra-épithéliales, vont participer. Donc, on a les glandes de Cooper, la portion sécrétrice, avec les canaux, vont élaborer du mucus. Le mucus aidant va lubrifier l'urètre pendant l'éjaculation. C'est bon? Des questions? Si vous n'avez pas de questions, vous avez 5 minutes. Et on commence la glande pinéale, la petite glande endocrine.